pêche à la baleine, à la pêche à la baleine, disait le père d'une voix courroucée à son fils Prosper sous l'armoire allongée. À la pêche à la baleine, à la pêche à la baleine, tu ne veux pas aller, et pourquoi donc? Et pourquoi donc que j'irai pêcher une bête qui m'a rien fait, papa? Va la pêper, va la pêcher toi-même puisque ça te plaît. J'aime mieux rester à la maison avec ma pauvre mère et le cousin Gaston. Alors dans sa baleinière, le père tout seul s'en est allé sur la mer démontée. Et voilà le père sur la mer, voilà le fils à la maison, voilà la baleine en colère, et voilà le cousin Gaston qui renverse la soupière au bouillon. La mer était mauvaise, mais la soupe était bonne, et voilà sur sa chaise Prosper qui se désole. À la pêche à la baleine, je ne suis pas allé. Et pourquoi donc que j'y ai pas été? Peut-être qu'on l'aurait attrapé, alors j'aurais pu en manger. Mais voilà la porte qui s'ouvre et ruisselant d'eau, le père apparaît hors d'haleine, tenant la baleine sur son dos. Il jette l'animal sur la table, une belle baleine aux yeux bleus, une bête comme on en voit peu, et dit d'une voix lamentable, « Dépêchez-vous de la dépecer, j'ai faim, j'ai soif, je veux manger !» Mais voilà Prosper qui se lève, regardant son père dans le blanc des yeux, dans le blanc des yeux bleus de son père, bleu comme ceux de la baleine aux yeux bleus. Et pourquoi donc je dépecerais une pauvre bête qui m'a rien fait? Tant pis, j'abandonne ma part. Puis il jette le couteau par terre, mais la baleine s'en empare. Et se précipitant sur le père, elle le transperce de père en part. Ha ha! Dit le cousin Gaston, ça me rappelle la chasse aux papillons, et voilà. Voilà Prosper qui prépare les faire part, la mère qui prend le deuil de son pauvre mari, et la baleine la larme à l'œil, contemplant le foyer détruit. Soudain, elle s'écrie, et pourquoi donc que j'ai tué ce pauvre imbécile? Maintenant, les autres vont me pourchasser en motogodille, et puis ils vont exterminer toute ma petite famille. Alors éclatant d'un rire inquiétant, elle se dirige vers la porte et dit à la veuve en passant, Madame, si quelqu'un vient me demander, soyez aimable et répondez. La baleine est sortie, asseyez-vous, attendez-la, dans une quinzaine d'années.